Et si l'être humain disparaissait? Imaginez, toute l'humanité disparaît d'un seul coup. Et il se passe quoi ensuite? Rien qu'en quelques heures, la plupart des lumières s'éteignent, faute d'électricité. En moins de 2 jours, les pompes qui détournent l'eau des réseaux souterrains cessent de fonctionner. Résultat, les tunnels de métro sont complètement inondés. En 10 jours, une grande partie des animaux de compagnie et d'élevage meurent, privés de nourriture. Au bout d'un mois, c'est le liquide de refroidissement des centrales nucléaires qui s'évapore, entraînant une série d'explosions plus puissantes que celles de Tchernobyl. L'atmosphère de l'hémisphère nord devient toxique et des millions d'arbres et d'animaux meurent irradiés. Environ 25 ans après la disparition des êtres humains, les villes sont soit ensevelies sous le sable, soit recouvertes par la végétation, un peu comme Seattle dans The Last of Us 2. 300 ans après notre disparition, la tour Eiffel s'effondre, et c'est le cas de tous les bâtiments en métal, dont l'armature est attaquée par la corrosion. Au bout de 10 000 ans, les seules preuves restantes de notre existence sont les pyramides d'Égypte, le mont Rochemort et toutes les constructions en pierre. Enfin, il y a ça et nos déchets les plus radioactifs comme le plutonium. Pas top comme souvenir de nous.